Louis Lourmet, c'est le champion des hommes-poissons, mais c'est aussi un monsieur qui veut la paix dans son ménage. Sa femme, Liliane Lourmet, était championne du monde de survie dans l'eau. Pour conserver sa dignité, il a voulu faire mieux qu'elle, c'est-à-dire rester plus de 30 heures au fond d'un aquarium. Un quotidien qui, sous l'eau, présente tout de même ses petits inconvénients et où la seringue remplace la fourchette et le couteau. Chaque jour, il a pu avaler ainsi 2 à 3 kilos de bœuf ou de cheval cru. Et c'est tout naturellement qu'il nous a reçus dans son coquet salon pour la première interview subaquatique. Quel est le problème majeur que vous avez sous l'eau en ce moment ? Le problème majeur, c'est mon sommeil. J'ai beaucoup de mal à dormir. Et puis le deuxième point, c'est le froid. Le froid, constamment, le froid. En plus, ma combinaison la première nuit a pris l'eau. Ça fait que les conditions étaient deux fois pires, parce que j'étais constamment en contact avec l'eau. Louis Lourmet a tué le temps comme il a pu. Et pour meubler sa solitude, il avait un petit compagnon, bien gentil et pas très farouche, ce petit poisson. S'il n'y aurait pas eu les poissons, ça n'aurait pas été pareil. Hélas, sa tentative est tombée à l'eau. Jean-Claude Glavieux n'aura tenu que 62 heures. Et que croyez-vous qu'a fait Lourmet après sa performance ? Pour se reposer, il est allé prendre un bain, chasser le naturel